Yo, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Fou, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récap du mois de septembre. Comme tous les fins de mois, vous me direz tout simplement, pour les nouveaux de la chaîne, à quoi sert le récap du mois de septembre? Bah, déjà c'est pour parler avec vous et aussi pour que cette vidéo soit tout simplement, on va dire, en lien social avec vous tout simplement, et pour vous parler de certaines choses, de petites nouveautés, etc. Enfin bref, et tout simplement... pour les nouveaux qui viennent de s'abonner depuis que j'ai lancé le LSPDFR, le LSPDFR va continuer, mais je tiens à vous expliquer certaines choses. Dans la description, vous avez un Discord, donc d'ailleurs, que je vais vous montrer justement ici. Ce Discord vous sert tout simplement à avoir les informations avant tout le monde, c'est-à-dire avant ma page Facebook, avant Twitter, et voilà, enfin, même avant YouTube, tout simplement. Tout ce qui va arriver sur YouTube, c'est là, sur le Discord, que c'était annoncé, par exemple dans l'onglet publication, donc juste ici, voilà, et tout simplement, et ici vous pouvez parler avec les gens qui sont sur le côté à droite, vous pouvez, le général CCG, c'est juste pour ceux qui ont le rôle CCG, le sub machin, ça c'est pour ceux qui ont follow la chaîne pour l'instant, parce que j'ai pas de sub sur la chaîne Twitch pour l'instant, mais c'est pour ceux qui ont follow la chaîne, de toute façon c'est pour ça sub actif, et voilà, et c'est aussi pour ceux qui sont élèves actifs. Donc, vous pouvez parler, etc. Mais ça, c'est juste un avantage si vous êtes ancien, si vous avez follow la chaîne Twitch, si vous êtes abonné à la chaîne, etc., etc., etc. Enfin, bref, tout simplement, là, rejoignez le Discord dans la description. Mais il y a aussi un autre truc qui interagit avec vous, c'est que vous avez le choix entre 2 jours proposés pour le LSPDFR, soit le lundi 17h, soit le vendredi 17h. Tout simplement. Donc vous avez entre ces 2 jours-là à choisir, en sachant qu'actuellement c'est le vendredi à 17h que ça tombe le LSPDFR. Si vous ne votez pas, je comprendrai que tout simplement ça reste comme tel, c'est-à-dire le vendredi 17h. Chaque vendredi 17h, il y aura un épisode LSPDFR. En sachant que vendredi, je pense que l'épisode aura une petite cinématique et une petite nouveauté parce que quelque chose va changer et va apparaître dans la vidéo, tout simplement, la prochaine vidéo. Donc du coup, voilà, bref, pour les informations, etc. Rejoignez le Discord dans la description, le lien dans la description pour voter. Et puis voilà, et puis même, si vous rejoignez le Discord, il est aussi dans les annonces, le lien pour voter, que je vous dise pas de conneries, il est juste ici. Voilà, hein, vous préférez quel jour pour le LSPDFR, donc sondage Tropol. C'est gratuit, le lien n'a aucun risque, ne vous inquiétez pas, c'est pareil, hein, Discord, il n'y a pas de risque de piratage ou quoi que ce soit. Vous pouvez le rejoindre pour ceux qui ont peur des liens. Les deux liens n'ont rien de risqué. Enfin bref. Du coup, parlons de la chaîne. Parlons de ce qui s'est passé pendant ce mois de septembre. Est-ce que moi j'en pense? Est-ce que je pense de vous? Mais vous, j'ai rien à dire. Clairement, pour l'instant, j'ai rien à dire. On va dire que bah, j'ai lancé le concept, enfin le LSPDFR, parce que c'est pas un concept, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Mais j'ai lancé le LSPDFR sur ma chaîne et globalement, bah, vous appréciez. J'ai même l'impression que le LSPDFR passe au-dessus de Detroit Become Human. Mais ça, bon, c'est un peu normal parce que Detroit Become Human, il y a eu déjà pas mal de vidéos commentées. Il y a eu pas mal de vidéos sur YouTube. Donc, bon, c'est un peu normal que déjà la vidéo ne soit pas masse vue, que la vidéo ne soit pas tellement regardée, qu'il n'y ait pas d'avis réellement, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait la série 100% immersion et 100% série, parce que tout simplement j'ai décidé de faire un Detroit Become Human en mode série et pas en mode commenté. Et de toute façon, il y aura une vidéo à la fin de la série qui arrivera de manière commentée, de toute façon, parce que j'estime vous dire ce que j'ai pensé de ce jeu. Mais bon, pour l'instant, on attend la fin de cette série pour vous dire tout simplement ce que je pense de ce jeu, donc Detroit Become Human. Bref. On va revenir, on va y aller dans l'onglet vidéo cette fois pour vous parler d'une certaine chose. Tout simplement, Detroit Become Human, ça fait moins de vues, je viens de vous le dire. Le LSPDFR, c'est un truc qui vient de lancer. Vous avez l'air d'apprécier en vue, c'est bien en vue qu'en avis aussi. Donc c'est plutôt cool, je vous remercie pour ça, tout simplement. Detroit, la série va quand même continuer, même si je ne fais pas de vues, même si c'est pas regardé, même s'il n'y a pas d'avis, parce que je tiens quand même à maintenir cette petite série 100% immersion et 100% série de Detroit Become Human. Comme ça, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un commentaire de récap de tout ce que j'ai pensé de ce jeu. Enfin bref,
Voilà. Pendant ce mois de septembre, il y a eu le retour du Turbo GTA V Le Mag, tout simplement. Le premier épisode, je vous rappelle que ce concept-là était un concept de base sur Xbox One que j'ai refait sur PC. Et bah, je ne m'attendais pas vraiment à ce que bah, vous la regardiez dès la mise en ligne. Parce que tout simplement, c'est un projet, enfin un projet, une vidéo, un style de vidéo que j'avais arrêté parce qu'il y avait le GTA RP Xbox One. Après, j'avais lancé le stream avec Alexander sur Twitch. Et du coup, je vous mettais les rediffs exportés de Twitch à YouTube. Du coup, j'avais arrêté le Turbo GTA 5 Le Mag. Mais bon, vous avez l'air d'apprécier, vous avez l'air de connaître un petit peu le concept de cette vidéo. Donc, je vais continuer. Sauf que pour l'instant, je vais vous dire un truc, il se peut qu'il y ait un ralentissement des Turbo GTA 5 Le Mag, parce que moi et Jerem, donc Jerem c'est comment dire, mon modérateur et poteau aussi, un bon pote aussi qui est modérateur sur le Discord des Merfoul, et avec lui on travaille sur l'histoire de Marianne Ambram. Vous avez la première partie, donc c'est un livre vidéo, donc sur YouTube vous tapez livre vidéo histoire de Marianne Ambram. Et vous allez tomber normalement sur la vidéo tout simplement. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette histoire, je vous invite à aller voir la partie 1 parce que la partie 2 sera évidemment la suite, évidemment, à cette histoire. Enfin, bref, du coup, voilà. Et du coup, ah oui, si vous voulez jouer aussi avec nous, avec moi et Jérém, et puis même avec GG aussi, hein, qui est aussi un bon pote aussi, vous aurez, en rejoignant le Discord, vous aurez accès à. Pour pouvoir publier des photos des aventures Red Dead de votre personnage. Et la galerie publique, ça, c'est pour vous. Hein. Si vous rejoignez, si vous jouez à des jeux, etc., et que vous avez envie de partager une image. Alors, les vidéos, on évite un petit peu. Mais bon, si vous avez une petite courte vidéo à partager, bon, ça passe. Mais faut que ça reste un gameplay et pas une pub, globalement. Donc, en gros, vous envoyez votre photo, votre image, votre gameplay. Ça peut être du Call of, ça peut être du Battlefield, ça peut être du GTA V, du Red Dead. Le Discord est ouvert du moment qu'il n'y a pas d'image pornographique, il n'y a pas de truc, voilà, un petit peu olé olé et puis un petit peu pas très halal, on va dire. Voilà. Donc, en gros, globalement, voilà, preuve hein, qu'on est en train d'écrire. Hop, je passe vite fait parce que j'ai pas envie que vous lisez globalement ce qu'on est en train d'écrire et ce qu'on est en train de préparer. Mais en tout cas, voilà. Donc. Pour ceux qui ne connaissent pas Marianne, Marianne c'est celle qui est sur la photo à droite. Bon, attends, je vais vous montrer quand même une photo où on la voit beaucoup plus. Non, non, non. Ah, peut-être Red West. D'ailleurs, pour Red West, tant qu'on y est, si vous souhaitez nous rejoindre, évidemment, il faudra passer par moi ou Jérémy, ou même GG, pour nous rejoindre, parce qu'on va retravailler nos whitelists, que ce soit pour Red Dead et Scénar Life. Red West et Scénar Life Roleplay. Scénar Life Roleplay, hein, évidemment, actuellement en suspens parce que bah, on va retravailler nos whitelists, évidemment. Et je pense que les trailers vont sortir prochainement sur la chaîne avec le lien de Discord tout simplement de Red West et de Scénar Life. Voilà, bref, en gros, oui, je voulais vous montrer une petite photo globalement. Voilà, donc Marianne Ambram, c'est elle, tout simplement. Hein. Je vous laisse quand même regarder un petit temps. Voilà, c'est fait. Et puis voilà. Bref, retournons à nos moutons hein, sur la chaîne YouTube. Évidemment, hein, donc en gros, les Turbo GTA 5 Le Mag seront, vous entendez bien, peut-être mis en pause pendant un petit temps, le temps qu'on écrit la vidéo, le temps que moi je fasse la vidéo. N'oubliez pas que ce n'est pas un gameplay, ce n'est pas une vidéo globalement, c'est un livre vidéo. C'est-à-dire que c'est une vidéo avec des images, des petites vidéos et avec une écriture qui passe devant vous. Simplement avec ma voix qui vous lit l'histoire tout simplement de Marianne Ambram. Et ce concept-là a bien fonctionné pour la première vidéo, donc autant continuer. Et la partie 2 est en cours d'écriture, donc elle va arriver bientôt. Voilà. Bref, donc le SPDFR va continuer évidemment. Les petites vidéos comme ça va continuer, etc. etc. Comme chaque vidéo récap le mois d'août et depuis que j'ai lancé les récaps des mois tout simplement sur ma chaîne. Je vous ai toujours dit ce que je pensais de ce mois actuel, que ça soit en vue, que ça soit en avis, que ça soit en globalité de la chaîne, tout simplement. Pour moi, pour ma part, le mois de septembre, on va pas dire qu'il était bien sur YouTube, mais on va dire qu'il était correct. On va dire qu'il était ni nul au niveau des performances de la chaîne. Il n'était pas nul au niveau des performances ce mois de septembre.
Mais il était correct. On va dire qu'il était entre correct, bien et très bien. Parce que globalement, bah, si on va regarder, regardez là, à partir de là, c'est à partir du 30 août. Si on regarde le mois d'août, globalement, bah, les vues n'ont pas augmenté. Regardez 38 vues. Si on redescend après au mois de juillet, bah, au mois de juillet, j'ai quand même fait un peu plus quand même. Donc voilà, en gros pour moi, le mois de juillet était quand même classé. Moi, je jugerais le mois de juillet comme bien. Le mois d'août comme nul. En fait, clairement, le mois d'août était nul, clairement. Et le mois de septembre était pour moi correct, tout simplement en termes de performance de la chaîne, en termes de vues, en termes d'audience sur la chaîne. Donc voilà, pour moi. YouTube, ce mois de septembre a été plutôt correct. Bref, donc encore une fois, petit rappel, hein, n'oubliez pas de rejoindre le Discord qui est dans la description et de voter pour le Les Speedy FR soit le lundi 17h, soit vendredi 17h. Et tout simplement, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, etc. Hein, bref, de lâcher le petit pouce, je le demande pas souvent, mais faites-le, ça fait toujours plaisir de le faire. Et ça demande pas de pain, on va dire, ça mange pas de pain, hein, clairement, ça fait plaisir. Bref, et je voulais vous donner une petite information pour cette fin de vidéo. Si tu es resté jusqu'à là, et bah c'est que t'es un vrai full, hein, donc abonne-toi, hein, voilà, t'es un vrai full, t'es un vrai full RP, etc. Quand on sera aux 800 abonnés, j'ouvrirai un compte Instagram. Oui, vous avez entendu, quand on sera aux 800 abonnés, un compte Instagram sera ouvert. Attention, ce compte Instagram sera pas de manière pour partager ma vie. Vous ne verrez pas moi en train de bouffer un Big Mac ou une salade. Voilà, non, ça c'est niette. Mais ça sera basé plus sur le gameplay, sur les photos que je retoucherai, que je m'amuserai à faire des trucs comme ça. Voilà, je compte me lancer comme ça. Mais ce sera qu'à partir des 800 abonnés que je lancerai ce compte Instagram. Voilà, bref. Et oui, hein, parce que je n'ai pas d'Instagram. Et je n'ai pas de Snapchat non plus. Donc si vous me cherchez sur Snapchat, c'est un petit peu mort. Mais bref, voilà. En gros, dès les 800 abonnés, j'ouvrirai un compte Instagram pour vous. Je vous rappelle que pour les 600, 700, ça a été l'ouverture du Discord. Et le Discord est déjà ouvert, déjà lancé. Vous êtes déjà assez nombreux. Je crois qu'on est une quarantaine de membres sur le Discord et ça fait quand même plaisir. Mais bref, voilà, rejoignez le Discord, votez le lien dans la description et n'hésitez pas à parler à vos proches de la chaîne YouTube, histoire qu'on soit plein de foules qui débarquent comme ça. Comme ça, aux 800, j'ouvre le Instagram, je vous le promets évidemment. J'ouvre l'Instagram pour vous partager des photos retouchées, des photos qui resteront toujours dans le thème du gaming, ou même d'autres photos IRL, hein, mais en gros, ce sera des photos comme ça, mais ce ne sera pas des photos genre de moi en train de bouffer, etc. Vous inquiétez pas, ce sera vraiment un Instagram propre, correct. Sans la moindre bêtise de mise dessus. Enfin bref, du coup, voilà, petit rappel encore une fois, description, Stropole, vous votez, c'est gratuit, le lien n'a aucun risque, vous rejoignez Discord pour les nouveaux et pour ceux qui veulent le rejoindre, c'est gratuit aussi et c'est sans risque. Voilà, et au 800, rappel, j'ouvre un compte Instagram. Je suis en train de me répéter, je crois, mais bref, je vais vous laisser les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je me suis fait comprendre, c'est l'avantage. Moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, de commenter, de parler sur cette vidéo. Et on se retrouve vendredi pour un LSPDFR, je pense. Sur ce, c'était Monsieur Foul. Ciao. Bye bye.